Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue avec le bel Iowa. Sexy boy. Qui est donc devant l'entrée de prochain temple qui, je vous cache pas, j'espère, regorge de reliques en or, puisque nous sommes toujours dans l'attente de finir la collection des reliques et aussi du dernier fossile de Selvadorada, puisque nous avons tout le reste. Ah, d'accord, le mec il sort même pas sa machette, il est déjà rentré. Tout va mieux dans le jeu, hein. Ça commence très bien. C'est pas du tout buggé, ça promet pour l'avenir, mais tout va bien. Le rencontre avec un cabier, super. Bah écoutez, on va s'approcher prudemment, même si on a peut-être pas beaucoup de charisme. En tout cas, bon, avec toutes les conquêtes qu'il a eues, je sais pas combien il est, mais... Voilà, alors il récupère une récompense, on va voir ce que c'est, et évidemment on va au temple. Nous voilà au temple. Alors avant toute chose, je vais regarder dans son inventaire ce que nous avons récupéré. Qu'est-ce qu'il m'a récupéré? Bah, pas grand chose d'intéressant, moi je ne vois rien. Donc mec, t'as encore fait de la merde. Je désespère. Bah attends, avant qu'on aille, tu vas me faire un mini pipi. C'est pas qu'il doit faire beaucoup pipi, mais je le connais. Il est toujours en train de... Ah, c'est le temple de l'eau. Attendez, c'est par où qu'on descend dans l'eau, du coup? Ah, c'est là. Bah, tu vas venir ici. Il a toujours besoin de venir de pisser quand on est dans le temple. Donc, pour l'instant, eh ben, il va faire son petit pipi. Voilà, moi, c'est fait. Allez, plouf! Montre-nous ton corps musclé, svelte et tatoué. Oh oui, Iowa. Ah oui. Ah oui, Iowa, vas-y. Il est arrivé sain et sauf. Au bout de ce tunnel d'eau. C'est moi ou tu t'es empâté là? On voit un peu moins les muscles. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors Iowa, ça va plus du tout. Je vais lui faire créer un site de fouille dans cette motte de terre là. On verra ce que ça donne. Si ça donne quelque chose de concluant. Des trucs intéressants, des reliques en or peut-être. Mais j'ai peu d'espoir. Mais bon voilà. Donc pour l'instant il va examiner les squelettes. Ainsi que la tête de ça. À la tête, pour les têtes de flèches ou je sais pas quoi, donc... Alors, eh bien c'est deux, non, et un peut-être, pour l'instant. Ah, ça y est, il a découvert, c'est la mettre la main dans le trou de glyphe feuille. Vas-y, mets ta main dans le trou, Iowa, mets-la bien, bien dans le trou. On va voir ce que ça donne. Ah oui, et ça ouvre la porte. GG, allez, on y va. Ici, il n'y a qu'un homme qui t'attend. Donc, on va devoir ruser peut-être pour trouver ce qu'il faut pour ouvrir la porte. J'ai encore entendu un bruit bizarre. Bon, après, on est dans le temple, hein. C'est toujours un peu bizarre, mais... Ce qui est bien, c'est qu'on est toujours un peu seul. On pourrait faire tout et n'importe quoi. Enfin, quoi, sauf quand il y a un squelette qui se pointe, mais... On ne sait pas. Allez, tu vas faire une blague de squelette. Parce que l'humour peut toujours ouvrir des portes. La preuve, puisque ça le fait bien marrer et il t'ouvre la porte prochaine. Ouais, yups. Alors, ici, il y a ça à examiner. Et encore un homme nomme. Donc, go. Alors, aucun déclencheur pour ça. Donc, ça va être encore le homme nomme. Bon, on va pas lui raconter une deuxième vanne quand même. Après, c'est pas le même, mais bon. Eh ben si, on va encore lui raconter une vanne à cette tête de pierre, là. Ah bah dis donc. On est axé sur la vanne aujourd'hui, hein. Ça... Et ça nous ouvre toutes les portes. Oh, un petit fossile à creuser, quel bonheur. Non, je ne fais plus de suppositions. J'en ai marre d'être déçu, donc voilà. Tu vas creuser ça, et puis, puis voilà. Bon allez, on va bien voir ce que renferme ce fossile. Ta 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 ta. Enfin bon, on va voir que je fasse le ménage dans ce truc. Il est où son fossile? Ah, il m'a récupéré un fossile, mais je le vois pas dans le tas. Bah non, il est pas là. Mais l'arnaque! Il est pas dans son inventaire! Ah si, il est là, pardon. Un Saurisaurus philisophilidé, bah c'est bien. Mais ça nous apporte rien de nouveau chez nous. Super! Et celui-là, donc, nous avons un peut-être trou de glyphe soleil. Bon, après, on en a encore quelques-uns à checker.
Bon, pour les coupelles, il n'y a rien du tout. Ce sera peut-être le nom-nom. Allez, encore une vanne pour le nom-nom. Allez, hein, qu'on rigole. Alors. Ah non, on va l'accuser des responsables des dangers du temple. Oh oui, montre ses dents, il est pas content, le méchant. Le méchant. Montre ses dents. Allez, go. On a encore des trucs à visiter. Ah bah c'est là. C'est la dernière. Oh, Pierre, il y a plusieurs trésors. Oh là là. Bon, je vous dis que je n'y crois plus, mais quand même, dans trois coffres, ce serait dommage qu'il n'y ait aucune relique, quoi. Allez. Premier. Trouve-moi des reliques. Stop. Une assiette calendrier. C'est pas que c'est pas cool, mais je les ai déjà toutes. Ah, ça y est, il est fatigué. T'es fatigué, mon petit? Oui, mais bah, trouve-moi des reliques et tu dormiras mieux. Eh bien... Oh! Oui! Une relique de Zazatotot, le... Ah, je sais plus laquelle on a, lesquelles on n'a pas. Oh, je veux juste qu'elle soit en or, quoi. Bonsoir, bonsoir. Elle est dernière, full relique, là. Et... Une grenouille. Youpi! On va mettre sur pause. Une grenouille, on a... Oh là là, deux autres grenouilles ici, on en a cinq. On en... Oh là 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 là, on va être tellement, mais... Pff, vous inquiétez pas, son manoir n'est toujours pas terminé. Et de toute façon, il a largement la thune pour se le payer comptant. Hein. Même sans faire d'emprunt, il pourrait aller à la banque. Hein. Alors, une base de reliques du chaos. Oh mais non, mais non, mais non, c'est... C'est même pas une relique en or, c'est des vieilles reliques en bon caca. Oh, vas-y, ça me dégoûte. Bon, on n'y arrivera jamais avec les reliques. C'est pas possible. Oui, Bichette, je sais. Attends, tu vas me prendre une énergie liquide. Il me semble que tu en as encore. Ouais, c'est ça. Tu vas me boire ça. Et où est-ce qu'on avait fait un site de fouille? Est-ce que c'était encore là-haut? Ouais, c'était ici. Eh ben, tu vas me dire... Tu vas me venir me creuser. Tu vas pas me dire. Tu vas juste venir creuser. Et si ça vaut le coup, eh ben, tu continues. Sinon, bah tant pis. Et pendant qu'on est en vacances, on... Oh oh la vache, 39 000 les taxes sur la maison? Mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Mais combien il va payer pour le manoir? Ça va être horrible, hein. Mon dieu. Oh, il vient de trouver une relique. Ouais, mais c'est une relique de merde. Mais trouve-moi des reliques en or, Gaston. Oh. Ah bah, en plus, il se fait attaquer par des chauves-souris. Ne te laisse pas avoir. Bah oui, ton entraînement a fait que... Bon, ça vaut vraiment pas le coup. Mais pourquoi tu... Ah. Tu veux manger ton sandwich les pieds dans l'eau? Bah, d'accord. C'est pour l'hydratation. T'es pas encore trop fatigué, donc tu vas vite traverser ça. Je voudrais pas que tu meurs noyé, donc... Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi tu nages dans... Mais tu vas pas prendre ton vélo! Tu vas pas bien aller dans le... avec... Oh là. Pff, mais n'importe quoi. Mais aïon, ça ne va plus, hein. Ok, tu t'en es sorti, mon biquet. C'est très bien. Bah, écoutez... je pense qu'il est un peu fatigué. Tu vas me faire un petit... Non, pas fertiliser, non. Une petite sieste. Non, parce que si tu fertilises, enfin, tu vas pas dormir dans ta pisse, quand même, Jean-Claude. Ce sera un peu chelou. Il n'y a rien d'autre à creuser là, bon, à part des sites de fouilles et tout. J'avoue que ça me déprime, vous avez pas idée. Tu vas juste creuser. Et après, tu pourras rentrer à la location, mon petit biquet. Allez, mon chou. Oui, tu vas pouvoir rentrer. Allez, faire un petit somme à la location. Et puis, vas-y, en petit maillot de bain, t'as raison. C'est toujours agréable pour nous, pour nos yeux. Alors, on est rentré, tu vas me creuser ça. Ah, on a un domestique qui est passé à la loc, c'est normal. Et puis tu vas me faire un bon petit dodo, là. Voilà, il est 16h. C'est pas grave, hein. Tu dormiras une heure ou deux, parce que au lieu de faire une sieste, voilà, je préfère le faire dormir, et puis après il se relève, hein, et puis on fera ce qu'on pourra faire. Ayoa, ayoa. Oui, il faut se réveiller, mon biquet. Va prendre une petite douche là, ça va te faire du bien, ça va te requinquer. Et puis il va manger un truc, parce que bon, il faut nourrir la bête aussi, hein, dis donc.
Alors, on a deux roches fossiles. Clac et clac. Bah, c'est vraiment... Vraiment, je désespère. Oh la vache! Se déhancher! Ah ouais. Oui, ouais, bah c'est un petit... Ouais, voilà. Pauvre biquet, c'était pas assez bon à son goût. Oh, bah voilà, en tout cas, vous avez la petite soumrumba. Vous pouvez donc partir de la vidéo. Il est temps de s'occuper un petit peu... Eh, tu veux faire la concurrence, toi, wesh? Tu peux pas, hein, tu peux pas faire de la concurrence. Écoute, tu vas commander une boisson. Ta petite boisson préf. On va passer un peu de temps au bar, tranquille, hein. Ouais, va boire un coup, va aller au bar. Ouais, bon, bah, de toute façon, on a fait aussi tout ça. Donc, à part voir quand pop des petits trucs à creuser. Ben voilà, quoi. On attend de s'ennuyer un petit peu, maintenant. Ah, tiens, je vois qu'il y a de la chute d'eau en bouteille. Tu vas me les prendre. Parce que ça, ça marche bien. Comme il est toujours en train de se plaindre quand il est sale et tout. Voilà, il pourra se doucher à l'intérieur des temples. Enfin, des prochains. Ouais, bref. Parce qu'on risque d'en faire encore beaucoup à ce rythme-là. C'est nouveau, ça. Tu vas aux toilettes en vélo. Mais... C'est pas possible. T'es fait n'importe quoi, Kayowat. Il y a du monde au bar, mais bon... il est vraiment fatigué, donc je pense... Je pense qu'on va rentrer à la location. Il va faire un bon dodo. Oh là là, il a perdu un niveau de célébrité. Oh, bichette. Tu n'es plus une star. Oh, t'es juste une terre. Ça arrive à la plupart d'entre nous. T'inquiète, tu t'en remettras. Oh là là, la menace petit matin. Qui nous ont coupé des trucs. Ben, on n'est pas chez nous, hein. Alors, et puis ça coûte beaucoup trop cher. Quand même. Et voilà un Iowa qui a parfaitement dormi, qui est en pleine forme, et qui va se prendre un petit déj. Oh là, attention Jean-Claude, tu veux me faire quoi? Saltimbocca de poulet? Allez, vas-y, je te laisse faire pour une fois. C'est toi qui vois, c'est toi qui as envie de manger. Fais-toi plaisir. Quelle tristesse, le poste il s'est cassé. Oh là là, allez. Parce que ce serait dommage de pas avoir de musique. Il ne pourra plus danser, sinon. Ah bah oui! Bah oui. On a un homme de ménage qui passe dans la location. Tout est normal. Tu vas faire quoi? Tu vas rien flotter, tu vas pisser. Attends, il n'y a pas les trucs qui ont poussé là? Si, bah voilà, tu vas pouvoir creuser là. Et tu vas creuser là aussi. J'ai... Ouais, bah bref, je ne dis plus rien, moi, au bout d'un moment. Bon, bah de toute façon, la fin des vacances, c'est dans une journée. J'espère qu'on aura le temps de faire encore un temple, mais sinon, bah vraiment le voyage, à part pour s'enrichir un peu plus, ça nous aura pas servi dans nos quêtes et nos buts. Super. Bon, pour l'instant, il trouve quelques trucs, mais pas de reliques en or, ça ne sert à rien, donc. Oh! Oh, viens, le temple est ouvert. Le temple est ouvert. Comme la braguette. Ta bras gaieté, toute verte. Oh, bah oui. Merci, Bernardo. Il va creuser ça et puis il va visiter le temple. Bah, c'est bien, c'est bien. Parce que ça veut dire que je veux vous... Bah, on se verra, là, du coup, la semaine prochaine. Ah, il a gagné 37 000 avec des factures à 39 000. J'avoue que c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'il perd que 2 000 simflous dans ses factures. Ouais, bah c'est une facture normale de Minsumflouz pour la maison qu'il a, hein, sachant qu'on n'est pas encore dans le manoir, donc voilà. Allez. Tu me découvres ça. Et c'est parti pour le prochain temple. Eh oui, déjà. On commence par un temple, on finit par un temple. En tout cas, moi... Eh ben, c'est là-dessus que je vous dirai à la semaine prochaine. Le suspense sera à son comble. Est-ce qu'on va avoir des reliques en or ou pas du tout? N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager l'épisode et la chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir
et de me faire connaître. Et c'est très très bon pour les stats YouTube, pour me mettre en avant. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite du Régis et Marc Archéologue. Ciao ciao.